monde, on espère que vous allez tous très très bien. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Maëlia? On va ouvrir d'autres Poopsy Slime, surprise! Exactement, alors plus précisément, on va faire un challenge. Et c'est le 3 Colors of Poopsy Slime Challenge. C'est ça. Youpi! Si vous vous souvenez bien, on avait fait il y a quelques mois, il y a plusieurs mois de cela, un challenge pour faire du slime avec 3 couleurs mélangées. Ouais. Et c'est vous qui avez choisi quel était le slime que vous préfériez. Et on a décidé avec Maëlia de faire la même chose, mais cette fois-ci avec des autres Poopsy Slime. Ça fait 15 Poopsy Slime. On a combien de boîtes de Poopsy Slime? 1, 2, 3. 6. Voilà, on en a 6. Donc on va prendre 3 boîtes chacune. Ouais. On va les ouvrir, on va faire les slimes et ensuite on va mélanger nos 3 slimes. Ouais. Et à la fin, vous nous direz quel sera le plus beau slime. T'es prête, Maë? Oui. Allez, c'est parti. Oui. Avant de commencer nos slimes, on va vous montrer les Poopsy que nous avons déjà et Maëlia leur a donné des surnoms. Alors vas-y, dis-nous. Elle s'appelle Clara, ananas, licorne, fraise, moi je vais l'appeler donut. Oui, tout à fait. Licorne. Encore une licorne? Oui, licorne. D'accord. Reine. Oui. Clara. Encore? De Clara? Ouais. Ouais. Après, elle va s'appeler bleu. Mmh. Et 2019, moi je l'appelle. D'accord, bon ben super. Maëlia vous a fait la présentation de nos Poopsy. Donc c'est parti, sans plus attendre pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On commence à choisir nos 3 slimes chacune. Alors, qui c'est qui commence à choisir? Moi. Honneur à Maëlia pour commencer à choisir. Alors, lequel tu prends en premier? Je prends lui. Celui-là. Moi, je vais prendre celui-là. Du coup, on n'a pas besoin de se bander les yeux vu qu'on ne voit pas à l'avance les couleurs. Comme toi. Moi, je vais prendre celui-ci. Allez. Et moi, je vais prendre lui. Tu prends lui? Et bien, moi, je prends lui forcément. Nous avons nos 3 Poopsy chacune. Et bien, on va les ouvrir sans plus attendre. On met tout... Là. De côté. On l'a dit en même temps. Et c'est parti. Et ça y est, on a enlevé nos films plastiques. Ah oui, t'as fait une tour, Maëlia. Super, elle est un petit peu bancale, mais elle tient en tout cas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par découvrir l'intérieur. Donc les Poopsy, hein, les Poopsy porte-clés que nous avons. Allez, c'est parti. Alors, je pense que vous connaissez tous, on en est sûr, vous connaissez comment ça fonctionne. Donc, à l'intérieur, attention, Maëlle, chérie. À l'intérieur, donc, nous avons des petites surprises à l'intérieur des boîtes, ainsi qu'à l'extérieur. Voilà, c'est comme un rouleau de papier toilette que l'on déroule et on trouve aussi les ingrédients pour fabriquer notre slime. Là, c'est la noix de coco. Oh, c'est la noix de coco. Super. Elle est belle en plus, la noix de coco. Ouais, je suis sûre. Et on ne l'avait pas. Hop. Oh, je pense qu'on l'a déjà. Ouais, c'est la mienne. Regarde, c'est celle-ci, tu l'as. C'est la fraise? Oui. Oh, on va avoir un doublon. Ouais, et un doublon. Un doublon. Maëlia a bien retenu à quelle Poopsy correspondait cette bouteille. Hein. Dis donc, elle a su que c'était la fraise. Donc voilà ce que j'ai eu moi. Mon petit verre, il est bleu. Et Maëlia, qu'est-ce que tu as eu comme Poopsy? C'est le Poopsy ananas. Et voilà. Ah, il sent pas l'ananas. Non, il sent pas l'ananas, non. Il est trop chou. C'est un Poopsy exotique. On découvre notre deuxième boîte. C'est parti. Ah, je pense que tu la connais. Je pense qu'on en a 2 doublons. Un doublon pour Maëlia qu'on a déjà. Ouais, un doublon blanc. Ouais. Et moi, je sais pas, je suis pas sûre, mais je pense aussi qu'on a un doublon. Allez, je découvre mon Poopsy. Attends. Ah non, je l'ai pas. Enfin, ouais, on l'a pas. C'est elle. C'est une vache. Une nouvelle crotte de licorne. Et ça y est, on passe à la troisième boîte. Oh non! Ouais!
Encore la fraise. Ouais, bravo. On en aura des fraises, hein, dis donc. Ouh, ça c'est une nouveauté pour Maë. Waouh, ça c'est un vrai caca. Licorne. Un vrai caca licorne. Et moi, j'ai encore eu la fraise et la bouteille de champagne. Donc voici donc les poupsies ainsi que les bouteilles shaker que nous avons eues. Maintenant, il est temps de fabriquer nos slimes. Alors, on commence à dérouler notre papier toilette. Moi, j'ai déjà fait. Maëlia, elle est hyper, hyper rapide. Et maman, elle est super longue. Eh oui. Donc voilà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, mais j'en doute, voilà, ça se présente comme ceci. On a des accessoires, enfin on a les ingrédients ici pour faire notre slime. Donc on a la nourriture de licorne, on a la magie de licorne, on a notre petit parfum, parce que les cacas de licorne sont parfumés, et on a ici la petite cuillère. Allez, c'est parti, on remplit l'eau jusqu'au trait. Stop, voilà, et on va mettre 2 doses. Stop. 2. Et 2. Allez, c'est parti, à moi. Et stop. 1. 2. Alors maintenant, on va choisir. On va choisir quoi? La poudre de licorne. Non, on va choisir le parfum à mettre. Moi, je vais prendre. J'ai un bonbon là. Bonbon. Moi, allez, tu prends lui? Oui, même si c'est pas bon. On va mettre 5 gouttes. Oui. Allez. Oups. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, moi j'en ai mis un peu plus, hein. Tu peux en mettre un peu plus si tu veux. Ah, ça sent l'orange avec l'eau. C'est l'orange? Ah, ça sent l'orange. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, finalement, ça sent bon. Elle s'en est pas mal sortie, Maëlia. Alors, on va prendre de la nourriture de licorne maintenant. C'est ça? C'est ça. Et c'est parti pour la nourriture de licorne. Et nous, on va déjà voir la couleur du slime. On referme bien. On doit secouer pendant 1 minute. Ouais. Ça va nous faire des bras, dis donc. Hein. Ouais. À la peau, Lito. À la peau. A few moments later. C'est bon, on va les laisser reposer 20 minutes, il me semble, 20 ou 25 minutes. On se retrouve une demi-heure après. Oui. Nos slimes sont prêts. On va découvrir en premier ceux de Maëlia et après on fait les miens. Allez, c'est parti. Ouh. Ouh là là. Oh. Alors, un joli slime turquoise. Il est très très joli. Ouais. Super. Le turquoise. Waouh. Le deuxième slime. Alors cette fois-ci, c'est du vomi. C'est un joli vert, il est beau. Ouais. La troisième. Oh, on a encore un joli turquoise. On va mettre la magie de licorne. On met tout? Je pense que tu peux tout mettre, ouais. Oh, et là déjà c'est super joli. C'est bleu. Bon, mais je pense que ça va être super beau, hein. C'est comme... Ah, regardez mes doigts. Ouais. En tout cas, c'est super joli parce que ça donne des jolis reflets irisés. Allez, c'est parti, on découvre mes slimes. Donc Maëlia va m'aider. Elle en a un. Il est de quelle couleur? Wouh! C'est un rose. Et moi, j'ai ici un bleu turquoise. Allez, on le malaxe, on le travaille bien pour qu'il soit un peu moins collant. Ils sont déjà très bien réussis. Mais quand on les travaille, c'est encore mieux. Et c'est parti pour le troisième. Oh! Oh, il est très rose, hein? Merci. Alors, le troisième, c'est un rose fuchsia. Berk. Boum. Regardez la différence entre les deux. Ouais, ça va faire un beau mélange, j'ai l'impression. On va mettre de la magie de licorne.
Et ça fait aussi pâte à croûte. Ouh! Berk! C'est bon, nous avons fait nos slimes, on a mis notre petite magie. Ils sont tout nacrés, on a les mains aussi scintillantes. Hein, n'est-ce pas? Ouais. Et ça se voit pas. Donc maintenant, il est temps de mélanger nos trois slimes. Ouais. T'es prête, Maëlia? Allez, non, 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 toi tu mélanges les tiens et moi je mélange les miens. D'accord, petit chou? Allez, c'est parti, on mélange. Déjà, regardez ce que ça fait. Oh, c'est beau. Regardez le mien. Et celui de Maëlia, il est joli. C'est un joli turquoise. Désolé. C'est pas grave, mon petit chou. Du coup, moi, je pense qu'il va être rose. Ah, c'est trop beau. Je vous le montre de plus près. Donc, je pense que c'est bon, on a notre résultat final. Alors, les copines, dites-nous lequel slime vous avez préféré. Entre celui de Maëlia, le bleu, et celui de maman, le Aurélie. Violet. Tout à fait. Tout en bas. Eh ben dis donc, c'est un gros, un grand slime, dis donc ça. Et voilà les petits copinous, on a maintenant terminé notre challenge de 3 couleurs de Poupsy Slime. Oui. Hein? On espère que ça vous a plu, on attend vos commentaires. Oui. Voilà, pour nous dire quel est le slime que vous avez préféré. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Au revoir les copinous. On espère que la vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, laissez-nous des pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait super plaisir et ça nous encourage. On vous fait des gros bisous. Et on vous fait des gros câlins. Bye bye. Maëlia veut mélanger les deux slimes. Attends, il est très... Hop là. À mort de un slime à deux couleurs du coup. Dans ça fait vachement joli. Et voici une crotte géante.